C'était une intro totalement ridicule. Bienvenue à tous, c'est bienvenue sur l'épisode numéro 36 d'Extreme Warfare Revenge et pourquoi une intro aussi particulière chantée à la bouche. Mais déjà pour m'excuser parce que j'ai pas remis à jour l'intro, je suis un peu speed au niveau de mon timing pour vous tourner cet épisode, mais c'est peut-être... C'est peut-être. Et alors là, accrochez-vous, c'est peut-être le dernier épisode de WR, en tout cas de cette série qui nous a conduit du niveau culte au niveau global. On va probablement peut-être dépasser dès aujourd'hui la WWE, qui, je le rappelle, est à 94% de public image. On est en train de leur piquer du roster à fond la caisse. On est nous de notre côté à 84%. C'est-à-dire, voilà, on est bien. Niveau pognon, on est sécurisé puisqu'on a fait des deals de pognon totalement incroyables avec les sponsors. On a des sponsors qui vont nous ramener du. Je... Quasiment, allez, pour 4 millions de dollars tous les mois, on est très très bien là-dessus, ça me permet d'aller signer des superstars, de leur filer full pognon, on s'en fout, on est, n'en on est, on on en est plus là. Voilà, c'est-à-dire, il y a un des, des abonnés dans les commentaires du précédent épisode qui a marqué « Tu devrais renommer ta série, c'est sale cash », mais c'est carrément ça aujourd'hui. Ah, l'argent, 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 vous êtes incroyable. Euh, aussi, petite précision, euh, off-screen, j'ai signé à nouveau Chris Sebine puisque voilà, je pouvais l'avoir avec un contrat signé, j'ai quand même dû lui filer 130 000 dollars, mais c'est pas, pas rien, mais on s'en fout maintenant, on est on est très bien. Il est plus en tournée avec le Japon, donc du coup, avec un Overness à 85, il est vraiment plus que correct dans le ring, donc voilà, Chris Sebine est de retour à ses sales catch euh, Et également, petite, alors, petit privilège comme ça que je me suis fait, j'ai signé Nakamura Shinsuke. Euh, à la, oui, il n'avait plus de, 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 de tournée avec le, avec le Japon, donc j'ai pu le récupérer, c'est parfait euh, 60 000 euros J'ai pu euh, 60 000 dollars J'ai pu également le mettre dans le camp de développement Pour euh, attendre un petit peu bon, On va attendre un petit peu On va voir qu'est-ce que ça va donner avec, euh, avec Nakamura Shinsuke, euh, En tout cas très bonne addition du coup à notre carrière Je voulais regarder Tiens vu que j'ai pris Nakamura Shinsuke, Je, je, je vais peut-être me faire un deuxième petit kiff Je vais aller voir si Tomohiro Ishi est dispo Alors Onma par exemple On peut choper Onma, mais il n'est pas intéressant du tout. Ishii en brawl c'était super bien. Ouais, il tourne plus en plus. Il tourne plus euh, Ishii. Putain, il a 41 ans. Il est vieux Pépère. Waouh Ishii avec ses stats de taré en brawl. Je sais pas s'il accepterait de rester en développement de deal. On va regarder ça. Hop. Euh, oh ouais, je me fais un kiff, hein, je prends des mecs que j'aime bien. Meeting, euh, meeting, meeting, développement territorial. Oui il veut bien rester. On va mettre euh, Tomoe Hoshi aussi dedans et puis ça sera euh, ça sera Fonda. Allez hop petit point traditionnel sur les meilleurs commentaires. Enfin une sélection de commentaires, je vais pas dire les meilleurs, une sélection de vos commentaires euh, sur l'épisode précédent. Un premier commentaire de M103xGhost qui me dit Hello Hello je ne sais pas si niveau féminin tu as déjà fait ça, moi et ma mémoire. ouh, là. Mais dans toutes mes parties pour les femmes je prends Gayle, Kim Mickey James Sherlock et Melissa qui vont super bien ensemble, surtout Chillader et Gail Kim. Après une feud entre Amazing Kong et ODB, ça te fait aussi des très bons matchs bourrins pour des femmes. Alors, moi, niveau bourrin, maintenant, je suis convaincu d'une chose. J'ai, euh, je pense, la King of Strong Style, la Queen of Strong Style désormais. Il y a mieux Shirai avec 93 de brawl, s'il te plaît. Tu peux de que respecter. Voilà. Miyoshirai, ça va être incroyable. Il y a sa sœur aussi. À Yoshirai. D'ailleurs, je me tâte à faire tourner Yoshirai et à faire une foule entre les deux. Parce que ça pourrait être aussi, je pense, méga, méga, méga cool. Il y en a une qui, en plus, qui peut parler au micro, qui peut être super cool. La deuxième aussi. Bon, voilà. C'est fait. Miyoshirai, Yoshirai, c'est le futur de, de ces salles-catch. Enfin, le futur qui se terminera peut-être pour cet épisode. Je ne sais pas. Euh, Other Worker. Euh, Other Worker. Non, j'ai pas Oui, je voulais aller voir Galkim. Gelkim, 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 à fond la caisse, euh, si tu me conseilles Gelkim, j'ai pas pensé du tout à Gelkim, maintenant, Gelkim, euh, enfin, on l'a déjà eu, si, si, on avait déjà signé Gelkim, mais je pense qu'on lui a pas filé de match, et je pense qu'elle a été signée, ouais, elle est partie, elle est ailleurs, elle est ailleurs, donc, euh, non, rien, c'est pas grave, pas de Gelkim, tant pis, mais c'était en tout cas une, euh, ça aurait pu être une bonne addition également à notre roster féminin. Euh, Spark Ender qui nous dit salut Sturi, tu es mon youtubeur préféré c'est grâce à toi que j'adore le catch et merci pour ça maintenant j'ai deux choses à te demander bon, déjà merci à toi tu quel honneur quel immense il y, y a plein de youtubeurs qui sont bien mieux que moi il hein. n'y a pas Bob Lennon il n'y a pas de... non mais c'est j'ai 5000 abonnés hein. est, on est tout petit encore voilà c'est moi c ça me fait bizarre encore qu'on me dise ce genre de truc là parce que j'ai l'impression que sur youtube pour l'instant j'ai encore euh, rien fait on est aux prémices tu vois peut-être d'un truc je sais pas et je sais pas si le truc prendra par la suite on verra mais en tout cas un grand merci merci de ce soutien à Spark Ender euh, maintenant pour ça j'ai deux choses à te demander je vais bientôt faire une série sur ma chaîne youtube de EWR oh. Et tout le monde se lance! Incroyable! Je vous, je vous adore! J'irai voir ça avec grand plaisir, bien sûr. Quel conseil pourrais-tu me donner pour mieux évolu euh, évoluer? Et la deuxième, pourquoi ne passerais-tu pas pour tes événements en un show par semaine? Alors, pour répondre à ta question, le conseil que je te donne, déjà dans un premier temps, c'est. Tout dépend aussi d'à quel niveau tu vas vouloir démarrer ta partie, c'est de jauger à fond la caisse le pognon. Voilà, surtout pas prendre des catcheurs trop chers. 10 000 dollars, des fois, tu peux trouver des très bonnes choses. Euh, maintenant, ne pas avoir peur aussi d'une chose c'est quand on débarque au début, vaut mieux pas miser sur des catcheurs trop charismatiques. Surtout miser sur un maximum d'Overness en tout cas dans ce qui t'est permis ben, je vais faire un comparatif très simple avec la partie de mon ami Kev Raker qui a démarré il est au quatrième épisode son dernier show en plus ça a été une catastrophe il y a zéro personne zéro attendance j'ai rigolé mais ah oh, Kev tu m'envoies du rêve euh, c'est à dire de pas avoir peur de booster euh, certaines stats aller chercher ici voilà par exemple pour la mec qui est justement en skill voilà en speed voilà. Et de prendre par exemple que des mecs qui sont que bons en speed. Surtout que ça peut se... Alors des mecs qui sont bons en speed, putain, il y, y en a à la blinde. Il hein. y en a à la blinde euh, de se mettre là, ici, comme là, comme ici. Bon là, maintenant ça a pu vouloir dire grand chose puisque j'ai un peu chopé tout le monde. Euh, maximum overness, 50. Voilà, quand les, les parties de débutants, hein, bien sûr. Et regardez déjà tout le monde qu'on peut choper. Tout ce monde qui peut être pris. Parce que c'est des mecs qui euh, voilà, font du, font du fly. Et ils ne sont nulle part à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a Andrew Everett. Wow, catcher incroyable, Andrew Everett, ça coûte que dalle et ça peut faire des matchs super bons. Et tu mets comme ça des mecs en speed. Atsushi Kotoge de la NOAH, mais bien sûr, pourquoi pas. Il y a tellement de bons mecs à aller chercher comme ça. Et Félix, enfin, le Mexicain, Félix, bah oui, hey, la lucha de la Grande. 88 en speed, stat incroyable. Pour démarrer dans une part. Madoka, oh là là, Madoka, tu vois, il y, y en a plein. Euh, Trip Cassidy, je suis, je suis un peu moins fan, mais oui, pourquoi pas, les Trip Cassidy. Euh, maintenant, voilà, ça, c'est tous des mecs que tu peux récupérer pour pas trop cher pour débarrer. Euh, en plus, donc en général, c'est tous des flyers. Ensemble, si tu les mets l'un contre l'autre, en général, ils sont tous à peu près la même chose, c'est-à-dire ils ont beaucoup en speed, et là, ça pêche à fond la caisse, et là aussi. Mais ensemble, ça peut faire des matchs intéressants. Donc c'est-à-dire pour débarrer, pour essayer de choper, prendre une caractéristique et jouer à fond la caisse sur cette caractéristique. C'est-à-dire mettre des mecs bons en speed ensemble, mettre des bons, tu fais la même chose. Tu prends des mecs bons en technique, 80. 80, ça va être un petit peu plus complexe à aller chercher. 75, euh, tu vois, j'en trouve aussi. Il y a du CG Otis, il y a du Flash Christian, il euh, y a du Master G, il y a du Robby Dynamite. Voilà, on veut-tu Il y a du Tiger Shark, voilà, c'est Sharknado du catch. On est bien, on est chaud, on est frais, on avance à fond la caisse. Et tiens, putain, j'ai vu, il y avait Team Donst aussi. Et ça, j'ai une pensée, il y a beaucoup de gens qui me réclament Team Donst dans, dans ma partie. Hop, oh, tiens, allez, hop, oh, c'est peut-être le dernier épisode. Donc, du coup, on part, on part à fond la caisse. Team Donst, euh, ouais, qui est super bon en technique. En charisme, waouh, pourquoi j'ai pas pensé à prendre type Donst plutôt euh, Ben bah, bah, oui, ben bah, carrément, mais enfin, mais voyons, mais tout à fait, enfin, oh, development deal. Euh, mec, contrat, voilà, bah, très bien, on t'est retiré de développement, Team Donst. Euh, en plus, il reste, c'est très bien. Et ça fait plaisir à Chris Hero. Oh, incroyable Ben bah, voilà, donc c'est le conseil que je te donne, c'est de ne pas avoir peur là-dessus et de bien optimiser tes recherches pour débuter. T'es parti. Euh, ok, euh, la deuxième. Pourquoi ne passerais-tu pas euh, pour tes événements à H.O. par semaine C'est quelque chose que je conseille de faire quand on veut prendre rapidement Public Image. Maintenant, si t'as des contrats euh, signés, c'est bien. Si t'as des contrats open, bah du coup, ça te fait quatre fois la même. Euh, voilà, c'est change. C'est ici un hein, event. Change to a weekly model. Là, je ne vais pas le faire parce qu'on a des shows télé. Donc, c'est pas la peine. Il serait se rajouter encore des shows en plus. Donc, je reste au format euh, mensuel. Mais vous pouvez passer sur un format hebdomadaire. Maintenant, l'avantage, c'est gagner en, en public image très rapidement. Mais le désavantage, euh, c'est le polio. Voilà. Ou alors, il faut vraiment jouer avec des catcheurs voilà, qui, qui coûtent rien. Type d'Omst. Impeccable. Off, oh, Royal euh, ok, merci euh, Sparkender. Euh, Lucky Star qui nous dit, ce serait tellement chouette pour ton nouveau scénar sur EWR de recréer la WCW. Ah, je pense qu'on va le garder à l'idée de la WCW parce que ça revient beaucoup dans les commentaires. Sinon, je te conseille Gale kim en woo Elle a fait une énorme rivalité avec Cherry Arméissa de mon côté avec des matchs d'overall à 90% minimum. Une quadraction et un match quality très similaire à l'overall du match. Euh, donc euh, ouais, bah, tu me conseilles encore euh, Gekib. mais on, a, on vient de voir, on peut pas. Euh, en te souhaitant le meilleur pour la suite, car tu le mérites. En plus... Euh, c'est ça le catch, nom de dieu, bah ben oui, ben bien sûr, PS, petite question, seras-tu à Révolution 8 à Bobush au mois de mai, euh, parce que un peu de Sturie à Bobush, ce serait vraiment trop, trop dark, c'est pas impossible que j'assiste au show, je sais pas encore, je, je verrai, je... peut-être avec C'est ça le catch FM, on en fera la promotion, je sais pas encore, voilà, c'est à coup du total, pour le moment, alors... Euh, commentaire suivant, bah oui je, je pars, j'en ai d'autres, bien sûr, bah, c'est Ziki Hardy qui nous dit, euh, t'as mon, mon commentaire sur FitBellor et tu t'en es quand même pas servi alors qu'il est en Brighton, profites-en, mais bah oui, mais, <laughs> j'essaye, j'ai peut-être créé, J'essaie de créer un manque autour de FitBellor pour que vous dites, ah, bah oui, mais oui, on veut voir FitBellor, voilà, donc, euh, peut-être, peut-être, voilà, je, je vais pas me prononcer, je vais pas m'avancer, peut-être que j'utiliserai FitBellor, peut-être que j'utiliserai pas, voilà, c'est, j'ai tellement de stars, oh, pff. Tellement de tel tellement de star power. Euh, commentaire de Skage qui nous dit Salut cop copcatcher, je te conseille de reprendre Hideo. Ah oh non Oh non, 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 non. Ideo Itami, c'est bon. Hein je pensais qu'on était passé à autre chose aujourd'hui sur ces salles catch avec Ideo Itami. Je vous l'ai dit, il est blessé, il est plus là. Ideo Itami, oh alors. Oh c'est pas possible. Oh, regardez ce que je suis obligé de faire, d'aller chercher mon plat. Oh, tu... Idéo Itami. Qui a signé avec la Pw. Il est encore blessé pour 6 mois. Le mec, il signe à la PWG. Ces stats sont devenus nazes. Non, c'est nul. C'est nul. Voilà, comme le dirait Rabbi Mentor sur la fabuleuse histoire du catch américain c'est nul. On n'en veut plus, Dido Itami. On l'a ruiné. Voilà. Euh, très bien. Euh, Itami, qui t'a pris plus 14 ans over Bah oui. Et très bien, mais ça marche pas. voilà En vous ben je, je te conseille Nicole Matthews, que j'ai montré dans ma partie à 90 en charisme et 85 d'Overness. Elle est complète, à peu près 60 partout, mais là en développement de territory. J'avais déjà été voir Nicole mathieu dans des précédents épisodes. Et pour rester sur le développement de territory, Pan Nino Hamburguesa. Euh, si tu ne connais pas, c'est un jeune catcheur de 19 ans à la Triple A qui a des, des, des stats très complètes. Sinon, continue ainsi, c'est ça le catch. Nino Hamburguesa, je ne connais absolument pas. Alors. Voilà, c'est ça le catch, on ne peut pas tout connaître. Surtout en mexicain, hein. moi je suis lucha libre, vous savez, hein. c'est pas ma grosse grosse cam. Nino Hamburguesa, qui est là maintenant à 21 ans. Il euh, y a possibilité d'en tirer quelque chose de bien en speed et en charisme. Ouais, 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 bon, territoire de développement, allez. Bon, oh, une pièce pour voir. Allez, hop, c'est parti. Euh, ok, merci bien. Je prends des mecs en territoire de développement, je ne sais même pas si on aura l'occasion de les voir débuter sur le ressort principal. Commentaire suivant de Lakidar Lakidar. Je, euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais la Lucha Underground sera diffusée sur Action. Samedi à 22h15, eh oui, mais ça me permet du coup de vous faire de la pub pour, euh, pour Action, pour mon beau copain Nadir, qui sera au commentaire donc du coup sur la, la Lucha Underground. Euh, Nadir avec sa, également le, son émission de radio sur Radio Kawa, à catch nous, si tu peux. Euh, Lakidar Lakidar, merci en tout cas de ce rappel. Je vais malheureusement pas pouvoir assister à... Au début, euh, au début en live, comme ça, de, de la Outchunderland en français, euh, parce que voilà, je serai tout ce week-end à. Euh, à Brest, voilà, du 9 et 10 avril, 9 avril, grand tournoi de WW2 qui est 16 à Brest, où part le last player à partir de 21h30, inscription à partir de 20h30, voilà, mais je fais une vidéo expliquant tout ça, et le lendemain, je prendrai part justement au show de la NWC à Brest, euh, je sais pas encore ce qui, ce qui... ce que je ferai, mais voilà, s'il faut aller glisser un petit pick-up breaker quelque part, ça sera avec le plus grand des plaisirs Merci euh, l'Akidar, l'Akidar. Euh, Marco68, allez, pour terminer, encore une fois, excellent épisode sur EWR, je vois que la série nous Va pas tarder, la série va pas tarder. Alors s'il y a de saison 2, je dis oui, oui, yes, yes movement pour la saison 2 de, w, de WR. Je joue actuellement moi aussi à WR, début en backyard, je suis désormais en régional. Donc euh, déjà bravo, c'est très très bien. Donc malheureusement je n'aurai pas trop de conseils à te donner. Mais si, c'est très très bien, bien sûr. Mais, mais j'ai besoin moi de petits conseils. Ah bah, allez, hop, tuerie, bon prince. En plus c'est des conseils qui peuvent servir à tout le monde. Donc, dans ma partie, je suis allé jusqu'en régional avec un public image à 77%. Mais pas mal de mes workers se sont fait signer ailleurs, ou étaient en fin fait de contrat, et impossible de les renouveler. Mais j'ai toujours un roster bien gardi. Mon public image a chuté de semaine en semaine jusqu'à 49%. J'arrive à remonter à 53-55, mais il finit toujours par redescendre. Malgré des choux entre 70 et 75, impossible de décoller ce public image. Aurais-tu une solution ou bien un conseil à me donner par hasard Bien sûr, si les joueurs qui, lient, euh, qui liront le commentaire, n'hésitez pas à me donner un coup de main et sinon continue, merci. Euh, alors. Régional, je ne sais pas si tu as une limite d'overness sur les mecs que tu peux euh, recruter. Euh, bah donc, je ne je, je sais pas exactement s'il euh, y a une limite d'overness quand on est en régional. Le conseil, par contre, que je pourrais te prendre, c'est de ne pas hésiter du coup à aller, euh, à prendre sur le podium à aller chercher quand même un mec qui a un minimum d'overness euh, au moins à 70, si tu n'en as pas déjà. Euh, et de prendre un mec voilà qui pourrait pas te coûter trop trop cher. Alors là maintenant euh, moi ils vont tous coûter à bras. Hein. Bon t'en as quand même pas mal. Surtout dans les générés aléatoirement. C'est-à-dire essayer de leur faire. De leur faire perdre de l'overness, c'est-à-dire utiliser des stars pour euh, bah, utiliser le nom de certaines stars pour aller, toi, te chercher, donc justement à monter l'overness de tes mecs. Euh, maintenant, c'est sûr, il faut essayer de les signer tôt, c'est-à-dire avant qu'ils qu dépassent 50% d'overness, sinon ils accepteront pas de signer dans ta structure. Euh, pense surtout aux catchers, justement, les moins chers sur lesquels tu peux euh, t'appuyer. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est l'overness qui va faire monter le public image. Euh, surtout ça, surtout faire ce genre de gros coups, même si ça ne fait pas un show excellent mais la public image on a galéré hein. je sais pas si tu te souviens les premiers épisodes ça a été infernal et surtout la notion du polluant qui nous a embêté donc voilà ne perds pas espoir il faut y aller à fond la caisse il faut tenter des coups par moment euh, ça peut aider et pour le public image autre solution que j'avais déjà dit un petit peu un petit peu avant si tes mecs sont pas trop trop chers chat click with waddell euh, passe en format hebdomadaire sur tes shows si t'as pas de show télé euh, ça va t'aider énormément à progresser plus vite sur le public image. Voilà, c'était mon conseil. Euh, et également, voilà, n'hésite pas à les piquer aussi, tu dois être en compétition avec d'autres euh, avec structures, n'hésite pas à aller en piquer, euh, piquer des catcheurs de leur roster. Ok, bon, on termine là pour euh, vos incroyables commentaires, et on se lance pleinement dans le booking de Saturday Night Catchment, bon, bien sûr, avec le format de l'ellipse, hein, tout à fait. Euh, mais voilà, oh, bah, avant de se lancer, alors, voilà, je vais quand même vous... Bah, merci, merci, le... on revient un petit peu. Euh, je vais quand même vous monter un petit peu la draft, à quoi, ça à quoi ça ressemble le roster de Saturday Night Catch on a d'un côté HCH Fox forcément l'American American American C'est American, American, American trop compliqué à dire Pat Bots Emma Finn Bellor, fight Canal Loki Sammy Zayt, Sarah Sarabato The Rock Willie Mac du côté des Fayes Charlotte en tout Twitter, ok, bon, j'avais oublié que j'avais Charlotte, c'est vrai. Euh, Adam Pierce, Adrien, Neville, et Style, Cheryl, Lisa, Chris, Sabine, Greg, Sellot, Yoshirai, Kevin, The West, il y a toutes les grosses ailes. Ça, Maris Wallet, Page, Page, Spud, Sylvester, Lefort. Voilà, du côté. Et donc, dans le roster de Vivement Dimanche, il y a le reste. <laughs> Maintenant, vous savez. Euh, il va falloir, donc, du coup, voilà, cette petite difficulté, comme ça, une petite contrainte, mais qui m'obligera, donc, du coup, à utiliser un peu plus de monde. Allez, je book ça et on revient tout de suite. Et c'est parti, ça s'ouvre directement avec Chris Sabine contre Freitmer. Voilà, c'est pour introduire le retour de, de Chris Sabine, voir si Freitmer peut apporter de la qualité justement dans le match. C'est pas si mal que ça, surtout par rapport au, au niveau d'overness de Freitmer qui est assez faible pour le début. Euh, Chris Sabine qui remporte un match du coup clean. Euh, victoire de Chris Sabine, comme ça qui make a statement dès, euh, dès son retour à ses salles catch, à sa catch. Voilà. J'ai euh, pas fait l'erreur de démarrer avec un match trop, trop, trop qualité euh, pour, pour débuter le show. Sami Zayn est backstage quand Kevin Owens arrive, l'attaque par derrière, ça fait 87% de rating, les coups de chaise et compagnie laissant Sami Zayn sur le, sur le sol. Vous allez voir ça de l'intérêt pour la suite du programme. Euh, Maryse Ouellet, putain, 92% Maryse Ouellet qui annonce un triple threat match pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre euh, de Kevin Owens, le vainqueur de ce match en plus affrontera Kevin Owens en main event. C'est ACH contre Adrian Neville contre Air Fox, Voilà, et 3 points d'Auverness en plus pour Maryse Wallet. Et allez, on n'en peut plus. Maris Wallet, ça défonce. Euh, Adam Pierce backstage avec euh, Adrian Neville. Adam Pierce euh, bah, euh, est là pour balancer une, une shoot sur, euh, sur Kevin Owens, puisqu'ils veulent voilà, se poser en tant qu'aspirant numéro 1. Ça marche pas terrible hein, parce que 75% c'est pas top, surtout qu'Adam Pierce est quand même très très bon micro. Euh, et Adrien Neville derrière a perdu 2 points d'Overness. Bon, c'est pas si dramatique si Neville perd de l'Overness car j'aimerais quand même qu'il redescende un petit peu du, du statut de main-eventer. Parce qu'il y, y a quand même des mecs dans la mid-card à aider. Le match par contre, le triple threat est très très bon et la victoire est pour ACH au final suite à une intervention ratée d'Adam Pierce. Le pin est pris par Airfox et je ne l'ai pas fait prendre par, euh, par Adrien Neville pour le maintenir fort. 85% de level rating sur ce triple threat, c'est très très bon. Euh, Samizane backstage avec Marie-Zoilette qui lui dit que tu ne pourras pas euh, te battre ce soir à cause de ta condition euh, médicale. Voilà, donc euh, pour des raisons médicales, Samizane blessé. Ah bah c'est bien, ça me joue du drame. à Fond la caisse. Euh, les Sexy Purple Tea Sisters euh, que j'ai fait débuter, Yoshirai, Miyoshirai ensemble, affronter Kana et Saramato. J'ai donné une victoire clean à Kana et Saramato, parce que voilà, le démarre aussi toutes les deux, Yoshirai et Miyoshirai. Euh, ça l'aurait pas fait si j'avais pas donné une victoire aux Fails. Par contre, elles se font attaquer par le duo de Shadowrun Melissa et Paige à la fin du match. Donc c'est cool. D'ailleurs, Shadowrun Melissa, je lui ai démarré une nouvelle guidi, une gimmick pardon, de, de badass. Tu vois, ce, voilà, elle le le bordel. Le match par contre est super bon. 80% de rating pour un tag avec les Sexy Purple Sisters qui sont en dessous en termes d'overness. C'est très très chouette. La qualité du match est vraiment super bonne. J'ai hâte du coup que les Sexy Purple Tea Sisters... Euh, augmente à fond la caisse au niveau des, euh, de l'overness. Ça peut être super bien. Greg Exelon backstage nous claque une promo We talk trash sur, sur Bad Bones. Bah voilà, tout simplement, on continue un petit peu la, la feud entre les deux. Euh, ça va remonter, hein, je pense, lover Voilà, c'est un peu mieux, c'est mieux déjà que la dernière fois. 74%, il faut essayer de construire Bad Bones. Donc je le fais feuder avec Greg Exelon dans son nouveau personnage de heal, de maniaque dépressif. Ça peut être bien. Victoire au final de, de Greg Exelon clean avec euh, Greg Exelon qui démolit encore un peu plus Bad Bones à la fin du match. Bon, c'est bien, ça marque un point. Une vidéo est montrée pour Hello Retour potentiel de là. voilà, vous le réclamiez. Euh, 87%, très bonne vidéo. Merci. Le main event euh, Kevin Owens contre ACH. Match de l'échelle en plus, tu vois, pof, incroyable. Euh, victoire de, de Kevin Owens, forcément. Et Samizian est arrivé à la fin du match pour détruire, pour détruire Kevin Owens avec une chaise pour lui rendre sa monnaie de sa pièce. Ça fait 84% d'overl waiting sur un match quality à 83. Donc c'est pas mal. Ça me permet en plus de mater siège dans un autre dans un notre registre, de le tenter, euh, voilà, de tenter expérience en main-eventer. 80% rating pour un weekly, c'est très bien. Voilà, ça me va parfaitement. Oh, impeccable. Et euh, puis Marie Zoëllette qui est encore chopé de l'Overness. C'est fou. Euh, ACH et moi, ça marche pas vraiment. Pourquoi pas me mettre des matchs contre Loki oh, ben C'est bien, c'est vrai que je pourrais utiliser Loki pour faire patienter un petit peu Kevin Owens. À voir, à voir, ça peut être intéressant. Surtout, en plus, je l'ai mis dans ce roster-là hein, de Saturday Catch et j'ai pas utilisé Loki. Euh, ok, ACH, euh, très bien, j'en prends bonne note. Euh, oui, oui, monsieur, dame J'ai Mirko Filipovic en road John j'ai oublié de vous le dire. C'est la grosse classe, tu vois, j'ai Mirko Kropkop comme broad Agent, les mecs ils vont pas brancher. On a trop vu Samizane sur le, sur le dernier show, il était dans trois segments, bon, les fans, on, on, commence à avoir marre, on, on commence à en avoir marre de le voir. Euh, ah, c'est pas bien. Euh, ok, euh, Alex Tostov qui réclame des matchs contre Kurt Angle. Bah oui pourquoi pas, ça peut être bien. Euh, on l'a battu donc bien sûr dans les ratings notre guerre contre la Ring of Honor. C'est vrai que maintenant on est en prime time, donc on est face à la Ring of Honor. On va les buter encore plus la Ring of Honor. Euh, la AAA aussi se sont fait bouffer dans les ratings, ça fait un 7.05 pour notre premier Saturday Night catch en prime time. C'est excellent, 7.05 les amis. C'est mieux que ce que fait la WWE aujourd'hui avec Raw. Voilà, on est le premier et 5.17 quand même pour la Ring of Honor, mais on les a bouffés. Euh, la WWE ont signé le catcheur indépendant Richie Steamboat. Qui est de retour à la WWE? Incroyable, le fils de Ricky Steamboat. Euh, le bateau à vapeur. Euh, le... <laughs> la Ring of Honor ont signé Barbie Blunk, c'est-à-dire Kelly Kelly. Ok, dans un contrat signé. Ok. Shane Hollister s'est fait. Oh merde, Shane Hollister! Il était pas dans mon. Ah si, 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 il était dans mon territoire de développement. Ah, la boulette de chez Boulette, je l'ai pas signé. Ah, ils m'ont pris un catcher Shane Hollister. Euh... Ouais, il est là, pardon. Ah, mais reviens chez Nolister. Ah, mais c'est ça. Vous ah, mais vous me le dites, en plus, vous me le rappelez à chaque fois d'essayer de, de conserver les mecs. Il est bon hein. chez Nolister, il était super intéressant en Brawl 84. Euh, tant pis, PWG, ils ont fait un super coup avec chez Nolister, c'est évident. Ok. Euh, autre point, autre point, autre point, autre point. Richie Steamboat, Barbie Blanc chez Nolister. Euh, Ares a accepté un contrat, euh, un agreement avec la CZCW. Ok. Et la WWE ont signé un sponsorship avec Burger King. Voilà pour remplacer celui de Budweiser qu'on leur a chopé. Euh, C'est parfait. Allez, je me boucle euh, tout de suite. Vivement dimanche et on revient pour la suite. Et vivement dimanche qui commence directement avec l'annonce du nouveau manager général de Vivement Dimanche, nul autre que Monsieur Mick Foley. Oui, qu'on n'utilisait plus du tout Mick Foley. Ben voilà, il est là, il est notre général manager de Vivement Dimanche. Il arrive et pose sa Claire décision, voilà, ça, ça, pardon, marque, ça marque justement de prise de pouvoir. C'est euh, super, ça fait 87 en plus. Micfolic qu'on n'a quasiment pas utilisé. C'est hallucinant parce que son moral a jamais trop baissé. Donc ça fait encore de la promo excellente. Merci, Mick Foley. Euh, on continue avec une toute nouvelle équipe que j'ai faite les Money Makers, qui sont composés par Taylor Bateman, que je fais débuter justement, en équipe avec CJ Banks, que j'ai fait donc confronter au leader of the New School. Vous voyez que la, la qualité du match, malgré les overness pour avait est excellente 86%. Bon, la croix de réaction forcément sera améliorée puisque les, les Money Makers sont vraiment tout nouveau, tout, euh, tout frais, tout, tout nouveau. 73% de la rating pour un bon opener comme ça, en équipe avec une victoire des Leaders of the new school, Martis Klerz Xavier Junior, c'est très bien et on passe à la suite. Les cinq membres de la Brisam Session sont backstage et ils ont clairement fait de Mick Foley leur prochaine cible parce qu'ils ne sont pas du tout contents que Mick Foley soit là comme general manager. Ils auraient peut-être préféré le retour de Vicky Guerrero. Je ne sais pas. c'est oh, incroyable. 84% en plus ça marche très bien. Davey Richards arrive sur la rampe d'entrée et annonce que il a un nouvel allié qui débute dans la promotion et c'est Roderick Strong. Oh, mais c'est le début. C'est le retour des No Remorse Corps, comme à l'époque de, euh, de la Ring of Honor. Euh, Roderick Strong qui s'allie à Davey Richards. Eh ben, c'est très très bien. Roderick Strong en plus a gagné deux points d'Auvergne sur ce segment. Davey Richards en a perdu deux, mais c'est pas fondamentalement grave parce que Davey Richards, ouais, je préfère qu'il perde de l'Overness et au profit justement de Roderick Strong que, qui a besoin justement d'en prendre. Du coup, ça m'a permis de faire un match pour enchaîner les No, les no Remorse Corps contre la Master Russia pour le titre Aju Senshiro Championship. Ça fait un match excellent, 83% de level rating, avec une qualité vraiment qui n'est pas du tout à déplaire. Et j'ai fait quand même un truc incroyable, les No Remorse Cop, euh, ont remporté le match avec un Gibson Driver de Roderick Strong. 1-2-3, victoire, ils célébrette. ce sont nos nouveaux champions par équipe. Oui, incroyable, quel début pour Roderick Strong, c'est euh, ça le catch. Euh, Mick Foley, backstage, annonce que le main event de ce soir sera ricoché contre Tyler Breeze pour le titre euh, Michel Drucker. Donc euh, voilà, déjà, gros match, grosse affiche pour le main event. Tetsuya Naito contre Paul London qui faisait ses débuts. Ça marche super bien. 90% de match quality avec un nouvel rating à 82%. Qui pêche un peu sur l'overness de Paul London qu'on vient de signer. Euh, ça fait quand même un super combat. Victoire de, victoire de, de Tetsuya Naito avec l'intervention de Mickey James. Et surtout l'intervention à la fin. Kurt Angle qui est venu faire le save. Euh, puisque je vous rappelle, Tetsuya Naito et Kurt Angle livrent une guerre sans merci. Euh, Johnny Gargano, backstage, continue sa feud contre Jonathan Gresham. 79%. Après Gargano et pas un maître au Micro, mais ça va, c'est correct. Ça conduit à un match 3 contre 3. Voilà, j'anticipe un peu. Jonathan Gresham, Rich et Chris Serro, que j'ai mis un peu là en bouche-trou, c'est les faces qui me restaient encore là. Quand Julie Gargano, Son Génette et Icarus, les deux membres de la Breeze Inception, ça fait 73% et j'ai donné une victoire à Julie Gargano pour équilibrer un petit peu la donne en trichant. Voilà, très bien. Victoire 3 étoiles. On passe à la suite. Mickey James est dans le ring. Elle prend le microphone et elle challenge Kurt Angle à venir au ring. Kurt Angle arrive et il se fait attaquer par Tetsuya Naito. Bon, C'est à prévoir. 84% de mal rating euh, Ça permet toujours de pimenter un peu plus la feud entre les deux. Et le main event. Attention, suspense. Oh là 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 là. Main event de folie pour le trophée Michel Drucker. 92% de mal -rating avec rating Un match quality à 92. Taylor Breeze contre Ricochet. Quelle courbe à les enfants. Victoire au final de Taylor Breeze grâce euh, à la. L'intervention de Sanjay Dutt, Xavier Woods est arrivé à la fin pour faire le save. Super match, 4 étoiles, écart, euh, impeccable. J'ai rien à dire, super combat, super, euh, super vivement dimanche, 83% de rating. Donc c'est à dire mieux que euh, Saturday Night Catch. Voilà, les deux rosters là sont quand même super bien. Il y a quand même un bon équilibre, ça nous permet de faire des. Des, de, de faire justement des, des plans super intéressants, euh, de bien équilibrer les, les, deux, les deux rosters et du coup voilà ça permet aussi d'utiliser beaucoup plus de monde. très bien. Euh, Adrien Neville qui indique que Loki sera un bon adversaire pour des matchs à prendre en compte. Euh, Page qui demande à bosser avec Emma. Euh, Super Estrella, on les a bouffés dans les ratings, La CMLL également. 363, donc vous voyez, quand même, Mais on est à la limite. Hein, 363, c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire sur, sur la chaîne où, sur laquelle Vivement Dimanche est produit. La CMLL est repassée au niveau national, tant mieux pour eux. Sacha ça a pris un contrat avec la CW, euh, qui est également Sacha Banks, je le rappelle, dans nos territoires de développement. Et voici le euh, weekly euh, report avec la WWE. On a un plus gros Star Power, ça baisse leur image, on a des meilleurs workers, les fans nous choisissent plutôt nous que eux. Donc c'est très très bien, ça me permet d'aller du coup faire un point sur notre public image à 91%. Pouh, oh, oh, super, on est monté, on a pris 7% avec ces deux shows. La WWE est à 87 les enfants, ça veut dire qu'on a dépassé la WWE. Oui monsieur, oui madame, c'est bon, ça y est, c'est ça le catch, on est enfin devant la WWE, va falloir attendre la riposte, parce que voilà, le mois d'avril va quand même se terminer, ah oui, bon, on va peut-être pas terminer ça jusqu'au bout, notre objectif c'est d'aller à 100%, voilà, je vous le rappelle, mais on a doublé la WWE, ça y est, on est en tête, euh, Raw a fait un 1 un 6,97 de, de ratings, euh, ils ont viré David Starr, oh, 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 David Starr, viré, la Thieny, par contre a relâché Eddie Edwards, mais de toute façon, il tourne au Japon, donc euh, c'est pas intéressant pour eux, Oh je me suis fait encore une fois choper C.J. Parker, Jace Robinson, signé, contrat signé à la World Wrestling Network. Ah je vais aller signer un peu mes mecs. Hein. Ouais, ouais 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 ouais, je vais aller signer tout ce qui est dans le territoire de développement, parce que là je suis en train de, de me faire euh, prendre tous mes gars. Il était en plus il avait des stats super cool, Jace Robinson. Euh, J'avais déjà une petite alerte et je l'ai pas fait, et là maintenant je m'en veux de pas l'avoir fait. Euh, allez, on signe. On signe... Ah euh, bien sûr là on laisse plus rien passer. Allez, Aaron Arbo signé, Akira Tozawa. Alors lui il est déjà signé, lui j'avais pas fait la connerie. Akira Tozawa ça. Pouh, impeccable. Euh, Ares, Ares on va signer aussi, parce que Ares, c'est intéressant. C'est pas mal. Hop, Christina Voneri. On signe. Sans ça change rien, on les utilise pas. Emile Cite aussi, j'avais déjà signé. Enzo Amore. Enzo Amore, je sais pas. Enzo Amore, ouais, non, c'est moyen. Donc je signe pas encore. Euh, Fred la Merveille, ouais j'attends, ils vont pas me le piquer avec 28 d'Overness. Euh, Jamin Olivencia, j'avais déjà signé. Jason Jordan, je vais pas signer tout de suite. Kevin Graham, mm, non plus. Marc Andrews, ouf, Marc Andrews avec son 95 en speed là, euh, c'est cool, je vais signer aussi. On signe, Marc Andrews, Man Bruce. Euh, Nino Bourgouessa, j'attends. Pete June, oui Pete June avec euh, des stats qui commencent à être de plus en plus complè complètes, je signe. Oh, il me dit paye réduction, qu'est-ce qu'il me dit Voilà, 5000. Hop. Sacha Banks, euh, qui venait de prendre un contrat, un deal avec la CW. Non, je signe. Je signe, Sacha Banks. Bien sûr. Nakamura Shinsuke, il est déjà signé. Type Donst. Euh, je vais attendre un peu. Tomoe aussi. Trash Damon. Oh, Trash Damon. Oh, avec le 65 d'Overness. Il est bon qu'en charisme, lui, par contre. Euh, on signe. Allez. On signe. Voilà, très très bien. Un point sur le roster. Un point sur le roster actif avec qui a pris de l'Overness, qui en a perdu, on en est où, est-ce que ça va, est-ce que ça monte Bon, David Richard qui est baissé un petit peu 96, c'est pas non plus la misère, c'est voilà, très très bien. Euh, Roderick Strong qui a fait ses débuts. Euh, ça monte 59, très bien. Je vous rappelle, il était à peine à 50 quand on l'a signé, donc euh, pff, impeccable. Ça monte en flèche et ça va être intéressant. Hein. Roderick Song, ça peut vraiment nous faire des combats cool. C'est vraiment le charisme qui va pêcher avec, avec Roderick Song, mais ça va bien s'équilibrer avec David Richards qui parle super bien au micro. 81. Euh, Jonathan Gresham il faut que ça monte hein, 49 euh, c'est vrai que c'est ambitieux hein, ce que je fais maintenant voilà ces deux stats là elles sont incroyables speed et technique 95 95 le charisme est pas si dégueulasse que ça donc voilà à voir euh, Johnny Gargano en revanche on est à 83 on est au permis de quart d'heure donc euh, voilà j'espère quand même qu'on va avoir quelque chose de cool à faire avec la, la feud entre les deux le moral de Greg Excellent ouais remonte pas encore forcément bien donc euh, c'est j'espère j'espère que ça remontera à euh, qui d'autre euh, Bon, Marty Skirl les euh, Marty junior Saber Jr., ça, ça va toujours. 70-71, on est bien. Xavier Woods est toujours à 85, on va continuer de monter petit à petit. Naito, 91, badass, à fond la caisse. Euh, Kurt Tangle, 97, ça baisse pas. Alors, Taylor Breeze, Taylor Breeze est à 92. C'est dommage, je pensais que Taylor Breeze allait prendre un petit peu plus après son super match contre Ricochet. Gricochet, je vous rappelle, 99 c'est quand même immense. Euh, ok, bon c'est un petit peu tous ceux qui ont pu être concernés par de la, de la prise justement en Overness. Euh, Alex Koslov et euh, Chris Masters sont dans les 80, 86, 88, donc c'est bien, c'est correct. Euh, ça va promettre d'autres affrontements super cool. On avance la semaine. Allez. Oui, un match entre Masters excellent. Ben là, je peux plus, ils sont plus dans les mêmes rosters. Euh, Kevin Graham euh, qui a pris un contrat à la WWE. Bon, ils peuvent le signer, même c'est pas grave. Ils débuteront peut-être jamais. Voilà, mais bien sûr, la série est touche à sa fin, bien entendu. Euh, on avance, on avance. Ça y est, on est à Saturday Night Catch. On va se boucler Saturday Night Catch. On va avancer un petit peu. La WWE a fait SmackDown. Euh, SmackDown. <laughs> SmackDown. Euh, du coup, la WWE est repassée à 90 quand nous, nous sommes à 91. C'est-à-dire, ils ont fait leurs deux shows principaux de la semaine. On reste devant. On reste bien, les enfants. Allez, hop, on se bouque euh, Saturday Night Catch. Et on débute ce Saturday Night Catch directement avec une limousine qui arrive et qui est dans la limousine. A chaque fois, c'est toujours le même dans la limousine. C'est toujours The Rock. Et oui, The Rock est de retour à Saturday Night Catch. On l'a pas vu la semaine précédente, mais il fait son grand retour. Pourquoi Attention, est-ce qu'il a encore des choses avec Kevin Owens, avec Sammy Non, putain, à, à voir, la suite. Oh, on, a, on a hâte. Petit match comme ça pour patienter. Loki contre Sylvester Lefort. Ça fait un bon match. 85% de, de match quality. Excellent, mais Sylvester Lefort qui est, qui est dans le game avec une victoire de Loki, un hein, Warrior's Way, on n'en parle plus, 82% de la rating, je suis très surpris de la connexion entre Loki et Sylvester Lefort, ça marche très bien. Merci, merci, me merci messieurs. Euh, Marys Wallet est dans le ring jusqu'à ce que The Rock arrive, oh, et il lui dit, attention, euh, je reprends du service en tant que... En tant que figure d'autorité et ça ne plaît pas forcément à Maryse Wallet. 93% de la writing et Maryse Wallet qui gagne encore 2 points d'overness à se confronter à The Rock. Impeccable, super bien. Bad Bones backstage je nous tape une promo pour euh... rappeler un petit peu ce qui se passait avec Greg Excellent. Euh, la fuite continue, ça fait 66% Bad Balls au micro. C'est pas non plus la grosse joie, mais bon, ça se tente. Allez. Euh, puis il faut, faut baisser un petit peu Greg excellent d'ailleurs qui affronte Willy Mac. Ça fait pas un match très très bon. Ça donne une victoire comme ça clean à Greg excellent avec Bad Bones qui vient l'attaquer derrière. Bon, on continue la fuite entre les deux. C'est pas forcément le point fort de show. C'est un peu le ventre mou, mais bon, il faut bien le faire. Euh, ok, Greg un Free Max, c'est pas non plus la grosse la grosse claque. Page et Sherry Dormelissa contre Kana et Saramato qu'on avait teasé la semaine dernière. 85% de rating. Merci à la quad reaction qui est super bonne parce que les nanas sont toutes les quatre hyper over. Super match. Victoire de Sherry Dormelissa au final qui bat euh, Saramato euh, clean avec un bon coup de driver. 1-2-3. C'est bon, ça donne envie justement de voir un nouveau Saramato de Charlie Dormelissa. Tout est parfait dans cette, euh, dans cette feud, 85%, excellent match féminin encore une fois. Adam Pierce est backstage avec Adrienne Neville. Adam Pierce a débuté une nouvelle gimmick, ça a une réponse positive, mais <laughs> Adrienne Neville perd de l'overness en étant associé à Adam Pierce et... <laughs> voilà pour IP justement un match contre Sami Zayn. Et ça donne du coup le combat suivant, 88% de rating avec une réaction à 82. Match quality 95. Oh, super bon. Euh, avec euh, justement Adam Pierce qui était euh, le, euh, le qui était euh, l'arbitre en charge du match. Kevin Owens est venu sur, euh, sur le match, mais malheureusement, son intervention n'a pas servi euh, à grand-chose, puisque Sami Zayn a quand même réussi à remporter le match 1-2-3. Neville et Owens se sont mis à 2 pour démolir, encore une fois, Sami Zayn. Pauvre Sami Pauvre Sami Pauvre Sami, jusqu'à ce que The Rock arrive backstage et annonce que Kevin Owens, dans Main Event, affrontera Finn Bellor ah ah, Ça y est, Finn Bellor est booké euh... <laughs> Finn Bellor Kevin Owens c'est l'affiche, c'est l'affiche du match 88% avec une grande réaction à 90, le public a bloqué pour le retour de Finn Bellor. Victoire au final de oui de Finn Baylor avec l'intervention de Sami Zayn qui est revenu euh, revanchard, 1-2-3, victoire de Finn Baylor. Le titre n'était pas en jeu, mais en tout cas, ça a marqué un grand coup dans la tronche de l'association démoniaque de, de, de Kevin Owens et de Maryse Wallet qui se termine du, du coup avec une promo backstage de Marisol à très déçu enfin très euh, très remonté contre The Rock 89% de rating excellent show 83% c'est beaucoup mieux que la semaine dernière où on a fait 81 c'est équivalent il bah, y a les suckers hein, qui sont ici qui vont pas aider euh, mais en tout cas voilà c'est très très bien je suis vraiment très déçu par contre c'est Callum Pierce au micro avec Adrian Neville ça clique pas forcément bien euh, ok, Finn Bellor, le héros, mais bien sûr, mais, oh, tout à fait, carrément. Euh, D'ailleurs, je vais tout de suite aller regarder un petit peu. Roster Split, vivement dimanche, on va tout de suite faire, pardon, Saturday Night, on va tout de suite faire le point. C'est vrai que j'ai Edge Styles que j'ai pas utilisé, j'ai ICH et Airfox qu'on a pas vu, euh, mais c'est pas grave, les Purple Sisters on les a pas vus non plus, mais pour, pour ceux qu'on a vus en tout cas. Alors, Adam Pierce, 87. Pourtant, 87 en overness. Hein. Il a un overness qui est super bon. Le charisme est bien. Euh, J'ai changé sa gimmick en man on a mission. Adrien Neville, par contre, 87. En fait, ils se sont équilibrés. Ils sont maintenant au même, euh, au même overness, tous les deux. Euh, Edge c'est vrai qu'on va pouvoir utiliser peut-être par la suite dans, dans ce clan. Euh, Bad Bones, 68. Ça monte petit à petit. Je vais peut-être le passer mid-quart d'heure. Ouais, je le passe mid-quart d'heure. Comme ça, son moral est à fond. Ok, Greg Excellent, 87. Le moral, pff, ça marche pas. Manique dépressif, bah ça lui va bien. Hein. Ça lui va très très bien, Greg Excellent, Maniaque dépressif. Euh, Chris Sabine, qu'on n'a pas utilisé ce coup-ci. Emma, on l'a pas utilisé. Phil Bellor, 98. Pouf, toujours au top. Cana. Euh, 86, impeccable. Euh, Kevin Owens, 89. C'est dommage que Kevin Owens n'ait pas repris un peu d'Overness après ses interventions et, et tout ça. Sami Zayn non plus est à 87. C'est les deux main-eventers que j'ai pourtant. The par contre, a perdu un peu d'Overness. Il est passé à 99. C'est pas fondamentalement grave puisqu'il nous a fait des promos excellentes. Et Maryse par contre, est passé à 94. Waouh! C'est bon, c'est chouette, c'est impeccable. Sylvester Lefort avec son bon match 71. Ok, je vais peut-être refaire un petit Sylvester Lefort Bad Bones pour, euh, pour patienter un petit peu. Et que, il peut me servir de sac de frappe du coup euh, à ce moment-là. Loki 91, c'est vrai que Loki, on pourrait l'utiliser quand même beaucoup plus haut. Ok, parfait, très bien. Bon, très bon show au final. Merci, merci les amis. Merci, et on est à 94% de public image. On a trop vu The Rock sur le dernier show. Les gens commencent à en avoir marre de le voir. C'est peut-être pour ça qu'il a perdu un match. Tetsuo réclame des matchs contre Kurt Egle. T'es en pleine feud. Allô Il est là Là, je tape sur mon écran, mais vous ne le voyez pas. Et, Tetsuya Naito, tu es en train de feud avec Kurt Angle. Donc euh, oui, bah, tu, tu l'affrontes hein, en ce moment. C'est oh, n'importe quoi. On a battu la Ring of Honor dans les ratings. La AAA se sont fait bouffer. 6.69 pour cette de catch. Oh, c'est pas euh, aussi bien que le, le 7 points qu'on a fait l'autre fois. Hein. Attention quand même. La Ring of Honor, 5.18. Ok. Bad ball c'est content d'avoir été pushé. On est ravi pour toi aussi. Allez, hop, dernier booking. Dernier booking. Vivement dimanche pour terminer tout ça. Allez, ça va être bon. Saturday Night 4, c'est parti Enfin, non, c'est vivement dimanche. Oh là là, pfff, tu <laughs> Mais c'est l'émotion, c'est parce qu'on a dépassé la WWE, c'est pour ça, on est... Oh, la hype euh, Jonathan Gresham contre Tetsuya Naito pour ouvrir ce vivement dimanche, avec une victoire de Tetsuya Naito, bah, évidente, voilà, et qui a en plus, après avoir gagné ce match, a continué de s'attaquer à Jonathan Gresham, il l'a démoli sur le ring. Euh, ça fait un match quality à 82%, mais la... malgré que la crowd réaction soit à 68%, on a un novel rating à 67%, j'ai un peu de mal à m'expliquer. c'est un des problèmes qu'on a assez fréquemment qu'on a sur lequel on n'a toujours pas d'explication sur lequel vous m'apportez pas non plus d'explication dans les commentaires Naito voilà qui gagne ce combat d'opener contre contre Gresham et et malgré tout, l'Overall Rating, la réaction n'est pas vraiment là. Kurt Adel Backstage, fait une promo justement sur Tetsuya Naito, 93%. Ça marche super bien. Euh, Mick Foley, Backstage, fait débuter Aiden English, qui lui demande une opportunité de faire ses débuts. Aiden English a du coup euh, gain de cause, puisqu'il va affronter Kurt Angle, le pauvre. Euh, si il bat Kurt Angle, il pourra avoir un full-time job. Euh, 90% l'overall Rating, Aiden English a gagné 2 points d'Overness. Ça va super bien, parce English a un super euh, super charisme. Et avec Mick Foley, forcément, ça fait des merveilles. 90%, très très bien. Le match en lui-même est en finale pas si mauvais, puisque match quality 84% en victoire de Kurt Angle, forcément, sur English, le pauvre, euh, qui s'est fait donc du coup décimer sur ce match. Euh, 62% de overwriting, donc voilà, je m'explique pas, je pense que tous mes matchs vont souffrir un petit peu donc, du coup, de cette anomalie. Tetsuya Naito est arrivé à la fin du match, forcément, pour euh, détruire la gueule de Kurt Angle. Bah, attends, c'est Naito, c'est un badass, quoi. Euh, Zach Saber Jr. fait une promo avec Bill Cooper backstage pour euh, planter sur la gueule de Johnny Gargano qui s'en prend donc du coup à des mecs techniques en la personne de Jonathan Grisham donc du coup Zach Saber veut aussi sa part du gâteau 86% la promo a très bien marché le match derrière bah, forcément va moins bien marcher puisque voilà on est victime de, de ce problème de ce, de ce bug j'en sais rien 82% de match quality Johnny Gargano Zach Saber Jr. c'est pourtant c'est un match voilà, sur le papier qui est quand même super cool super cool victoire de Johnny Gargano clean et on n'en parle plus euh, Roderick Strong et Davey Richards euh, sont interrompus euh, sur le ring par euh, la Master Russia qui demande leur match au retour, 77% de la rating dû forcément à Roderick Strong qui n'a pas un overness brillant. Euh, donc ça sera le main event, ce sera le main event, Kota Ibushi qui a fait son retour contre Taylor Breeze pour le trophée Michel Drucker, euh, incroyable match à 89% de qualité mais voilà bouffé par writing Taylor Breeze a perdu un point d'Overness sur ce match et Kota Ibushi en a gagné un puisque Kota Ibushi remporte la victoire mais par disqualification donc il n'est pas le nouveau champion euh, Michel Drucker, il ne va pas reprendre ce titre, euh, suite à l'intervention de Sun Dog Xavier Woods est venu donc du coup avec une chaise pour équilibrer un petit peu les choses et ça a conduit au match suivant. Match par équipe, du coup on équilibre les forces Taylor Breeze et son JDOT contre Kota Boucher Xavier Woods. Allez, quand il y en a plus, il y en a encore. 77% de rating avec un match quality exceptionnel. Ah oui, il est vraiment très très bon. contre Action, je suis un peu surpris parce que les mecs ont quand même de, de l'overness à fond la caisse. Euh, très bon match, mais voilà, entaché par l'overwriting qui voilà, va pas nous aider sur ce jeu. Hayden English est sur la roue et annonce que du coup, pour euh, l'aider à progresser, il annonce les débuts de Shane Hawk qui fait son allié. Uh, Shane Hawk a débuté une nouvelle gimmick, donc, du coup il est heal. Il a gagné 3 poils overnight, nice. Aiden English en a gagné 2. Ça fait pas un super segment, 69% parce que Shane Hawk, voilà est un peu plus bas au niveau des cartes. Mais je vais faire donc du coup une équipe entre les deux, ça va être très cool. Euh, Ou ça peut être que cool d'ailleurs, voilà. No, no Remorse cup contre la Master Rocha pour les Aju Shiro Championship en ladder match. Ça fait un match quality excellent. Dommage que l'Overwriting du coup soit biaisé par, euh, par le système. Et les Master Rocha ont repris, ont repris leur ceinture à la nommé Remorse Corp. Ça peut, ça peut être super intéressant de faire comme ça évoluer. Ça va être vraiment la division des tag teams. Hein. Vivement dimanche, on a des tags qui vont être super cool. Ça va être chouette. Et bah, j'espère que du coup on en verra un peu plus. Bon, ça fait un show du coup à 77%. Ça aurait pu être bien mieux il si, n'y euh, avait pas eu donc, du coup, ce problème sur les matchs. Euh, il y aurait eu un overall qui aurait été beaucoup plus intéressant. Très bon show au final. Et j'ai hâte de voir donc, du, du coup de découvrir le... Le, le writing du show qui va pas être euh, trop dégueulasse. Jo Jonathan Gresham mais moi ça clique pas dans le match, ça clique pas dans le ring. Mais moi contre Kurt Angle il est chiant Naito. Mais t'es contre Kurt Angle t'as le programme avec. Loki sera un bon adversaire pour Kevin Owens, on en tiendra compte pour le prochain épisode. Euh, Ricochet réclame des matchs contre Alex Koslov, ça peut être bien. On va pouvoir, pouvoir faire les, les, Motor City, les Inner City Machine Guns pardon contre la Master Rocha. Euh, on a trop vu Aiden English sur le dernier show, les gens commencent à en avoir marre de le voir, c'est peut-être aussi le but. <laughs> il est il enfin il est arrogant il a, voilà il a tout ce qu'il faut euh, 3.76 donc c'est très très bien on a encore récupéré du pognon on bat toujours la WWE sur le sur l'image le, la pwg est descendue au niveau culte voilà très bien. Et du coup, CCLC, 96%, les 100% sont à bout, euh, à bout de portée. La WW chute à 83%, on est en train donc du coup de les baiser totalement. C'est super, euh, je vais avancer donc du coup jusqu'au samedi prochain pour voir si on a quelques petites nouvelles. Et on va clôturer l'épisode là, parce qu'on a eu en tout cas un épisode incroyable. On a dépassé la WWE. Voilà, bravo, on peut s'applaudir. Moi je m'applaudis. Hein. Oh bah oui, pendant qu'on y est. Euh, quelques petites nouvelles, vite fait, des ratings, des ratings, des ratings, des ratings. Ben, c'est très bien. On va aller voir donc du coup si la WWE a repris un petit peu du poil de la bête. 86%, ça reste bien loin de nos 96. C'est-à-dire on leur met 10 points dans la figure. On est bien. Euh, le pognon à gogo, tout est très très bien. Et ben écoutez, je pense que la Troulmania, qui sera notre pay-per-view après ces deux saturated catch et parce que c'est quand Event. Euh, c'est le 17 avril, donc du coup on va se bouquer Saturday at 4 pour le prochain épisode. Euh, vivement dimanche, la troule Badia, et je pense qu'on pourra conclure ainsi euh, notre superbe série, notre super carrière sur Extreme Warfare Revenge, Donc du coup c'est pas le dernier épisode, il y en aura un dernier, il y en aura un tout dernier. Là celui-ci va bien vous faire passer le week-end, on est bien, et on va démarrer après une nouvelle série sur Extreme Warfare Revenge, Tous vos commentaires, toutes vos réactions, je les attends. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Passez un bon week-end. N'oubliez pas, 9 et 10 avril, je serai en Bretagne, à ah, Brest, voilà, tout au bout de la France. Impeccable. c'est, Voilà, sur, sur la pointe. Voilà, on sera bien. Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao